Donc liste de Zetalot, les gars. Combo Leroy. Mat de départ, on va garder juste Disciple. Je pense à tirer OK, mais on veut relancer jamais Sun Face, ça peut être tendu. Donc au final, c'est une sorte de deck combo avec de la pioche, de la gestion. Et la combo, ça va être Leroy, Rituel, Rune, Silhouette, tu suicides et t'as 6x6, 36 points de dégâts. Voir autre combo, plan B. Et ça, possible grâce au Forge Destin. Oh, c'est du quête. Qui passe à tir. Non, parce que je me dis que c'est Unface, c'est trop lent ça tire. C'est Unface, mais que c'est trop lent. Serviteur random. Quête. Quête en soi, je développe pas trop de board. Donc c'est pas censé être trop relou pour moi à première vue. Mais c'est pas non plus un matchup free, loin de là. Mais je pense pas que c'est le pire matchup, loin de là. Ça c'est très bien d'ailleurs contre Père, hein. C'est le seul dragon qu'il y a dans le deck, si j'ai pas de bêtises. De toute façon, l'idée c'est qu'on n'est pas censé trop jouer le board. On pioche, on clean, on pioche, on clean. C'est le fameux prêt de combo dont je te parlais hier. Ouais, le deck de Zitalot. Mais je l'avais vu passer sur Twitter. Je m'étais dit qu'il fallait que je le teste. On passera à 9 au prochain tour. Bah. Quel set la plaie de la mort? Je ne sais pas. Ouais. En vrai, j'ai bien juste envie de poser le Knire Body, hein. On va voir ça t'es sac, on va juste jouer curvé là. Juste que je touche pour finir de potentiellement pouvoir proc Forge Destin, il faudra que je touche le disciple ou la déchirure ou les deux satires. Donc ça fait quand même 4 cartes possibles à draw, sachant que j'en suis sur combo là parce que j'ai pas encore de Forge Destin et que j'ai que 2 cartes à combo là. On a encore le temps avant de pouvoir passer à combo. On pourrait faire un full kin si j'avais le Drake en main. Là c'est pas possible. Si c'est possible. Je peux faire ça, ça. Elle perd 2 points de vie mais bon. Elle ne meurt pas. Et puis j'ai repower. C'est vraiment dommage que j'ai pas de dragon en main parce qu'elle garderait des points de vie en plus. Là c'est afflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs. Si vous avez un dragon en main, ne blesse que les adversaires. La 2. Ça. On va là-dessus. C'est cool avec ce deck, tu rends les gens de la tête, la code Battleground. En code, oh là quand même devant tout ça. C'est un dragon en main, ça blesse aussi le héros adverse? Non. C'est vrai qu'il fait mis que les adversaires, mais non, je pense que non, je pense que c'est une erreur de traduction. C'est vrai que dit comme ça, ça peut porter à confusion lorsque je veux dire, mais non. Ah non, c'est une erreur de traduction, je pense. Je peux jouer ça et ça, mais dans ce cas-là, je vais overdraw A. La tour. Venez danser au rythme de ma musique. Est-ce que je fais amasseur pièce?
Non, je vendrai pas, je dis de la merde. Je passe à 8, 9, 10 ans, c'est bon. Non, ça va. Je pense pas que je pièce ça, parce que si j'ai une plaie d'amour qui tombe et que je vais la jouer plus vite, ça me va. C'est pas nécessaire de pièce. J'ai vraiment besoin de choper un clean. En fait, après il a pas tellement de menaces, mais ouais. J'avoue qu'un petit cartu ça me ferait bien kiffer quand même dans le deck. Pour être un peu plus safe, faut avoir un bon heal. Moi, si vous rentrez avec cartu, tu vires le. Un infiltrateur, je pense. Ouais, j'avoue que je me sens pas super safe sans cartu dans le deck. Ça manque un peu. Alors on a tout ce qu'il faut là, sauf qu'on n'a pas le dragon, c'est ça. J'ai 5, ouais j'ai tout ce qu'il faut mais j'ai pas le drake, sans quoi on pourrait setup le létal. Après ça me coûterait, ouais ça me donnerait le létal là, si j'avais le dragon j'aurais le létal le tour d'après. En fait si je le touche là j'ai le létal le tour d'après. Ah mais il me manquera un mana pour jouer ça. Sachant que ça me coûterait 5, 9, ça me coûterait 8 ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, je peux le choper là-dessus. En mode YOLO. Je touche là, ça c'est top. Seigneur, que ce sang vous ramène à la vie. Alors qu'on est les joueurs contrôle, je vais mettre des cartouches partout. Bah ouais, mais en même temps, genre là, je me fais aggro, genre ultra léger et je suis pas bien, tu vois. 19 fois de vie, ça commence à piquer. Bon, c'est pas le deck qui a le plus de dégâts non plus direct en face, ça, dans l'idée, mais j'ai pas loin de me la mettre, quoi. Faut choper le forge d'estin maintenant. Et comme ça on peut l'étaler au prochain tour à moins qu'il me tue entre temps. On n'a pas touché. Il a un Leroy dans sa main. Oh là la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut avec le Leroy en main lui? Oh là la mauvaise nouvelle. 5, 9. Ah ah. Qu'est-ce qu'il faut avec le Leroy en main lui? Après je pense que j'ai pas le choix. Hein. Je vais faire Mass Dispel et choper le Drake et faire un trade et espérer qu'il me tue pas. Au moment que je sors de l'hystérie. Putain de 50. Non c'est un peu plus, je vais tenter ça, je suis trop low. Ça tape là ou que lui tape là avant, ok c'est bon. Je vais mourir d'ici à haut de tour je pense hein. On a pioché beaucoup mais on n'a pas eu le forge d'esta. Mais juste du board je peux clean mais. Après là je vais pouvoir jouer ça en armure. Faire healer armure mais bon s'il fait ça je suis obligé de clean. C'est ça qui est dramatique. Plus setup. Et si je clean Après ça ça en clean 2. Je sais pas jouer les deux ensemble. Par contre je peux faire ça et ça pour gagner autre.
récupère ça, mais derrière je l'ai plus quoi. Je suis obligé de faire ça pour tempo, hein. Ouais, je suis obligé de la jouer tempo. Je me demande. Ouais, ok. Faut que j'attends pot là. Je joue différemment. Ça me nique pas la combo, je pourrais récupérer ces cartes là plus tard. Vu que je sais qu'il a l'Iroi en main, je dois la jouer comme ça. Cette carte là m'a donné beaucoup d'infos. Vraiment, ça joue pas silence en face. Ok, c'est pas si mal pour gagner du temps. Pas si mal pour gagner du temps. Là aussi que la corruptrice et l'Iroi en main. Permet de remonter full. C'est quand même la merde. Après, il a lâché les chiens aussi. Après, c'est des cartes qui servent à rien. Là, il a lâché les chiens, Corruptrice et l'Iroi. Lâcher les chiens, si j'ai pas de bord, ça sert à rien. Corruptrice, pareil. L'Iroi, pareil. Je pense que je dois claquer le lâcher les chiens là. Et jouer le Talnos. Et jouer ça sur le Talnos pour piocher. Je donnerai deux chiens s'il veut. Ce sera pas ouf. Attention, l'Iroi il lâche les chiens, puis au pouvoir. Oui, mais je peux rien y faire. Hein. Je peux rien y faire, faut aussi que j'avance. Là ça lui donnerait 2, 4, 4, 10. Ouais, pas le choix. Ça lui donne en gros, ça lui donne 10, ça lui donne 20 en fait. Il a 20 dégâts en gros. Il a 20 dégâts, mais pas. Là je vais trade les deux Talnos là-dedans et play. Encore des armes. Encore des armes. Ok. On a juste besoin de faire ça et ça et de tenir au château et on a gagné. Elle est à l'ordre de tour. Car tu dois vraiment être ok dans le deck. Je pense aussi. Je pense que Cartu à la place de ça, ça me plairait vraiment bien. Après ça c'est un peu mieux contre des gros body, mais est-ce qu'il y en a tellement dans la méta? Pas qu'il fasse un gros tour prise de board, autrement je suis baisé. Mais s'il fait pas un gros tour prise de board, je fais ça et ça et derrière je peux faire mon play. Pas trop de board. Ça va être chaud. Ça va être chaud. J'ai la petite combo qui met pas 26. Ah mais il faut proc avant donc ça marche pas. J'ai une petite combo qui met. J'ai dit combien? 6, 24, 30. Non, non, attendez. Non, elle mettait 32 la petite combo. Mais je peux pas, je pourrais pas la placer là. Tac. Ça va être chaud. Avec l'Iroi il lâche les chiens plus l'autre truc il peut me baiser. Je pense pas que je vais faire Galakrond, autrement je retarde mon prochain tour pour Ah. Je veux Galakrond mais je retarde toujours mon tour pour faire ma combo. Ah peut-être que je peux le faire, ok. Ça s'envisage en tout cas. 6, je peux pas le jouer Forge. Ah c'est cri de guerre. Oh.
Mais oui, c'est un cri de guerre, messieurs, dames! Alléluia! Bien vu le chat. Alléluia! Mes frères! C'est un cri de guerre. Dans ma tête, je buguais sur Tourisan, moi. J'étais encore sur Tourisan. Excusez-moi, j'ai trop joué Tourisan dans le passé. Le problème, c'est que je peux pas suicide, là, en fait. Le problème, c'est que je peux pas suicide l'autre, mais je peux faire l'autre combo, comme on a dit. Vu que je peux pas suicide l'autre, dans tous les cas, je peux face et faire ça. Ah mais non, vu que j'ai pas dragon en main. Mais si, justement, c'est l'avantage de pas avoir dragon en main, c'est ce que j'avais dit. Ah ok. C'est justement l'avantage, c'est que tu dois le faire si t'as pas dragon en main. Ok. Ok. Ok, c'est bon. C'est justement le raisonnement inverse. En fait, d'habitude, pour avoir un effet positif, il faut que t'as un dragon en main. Là, c'est tordu. On est bon. C'est tordu comme combo. Bah là, je l'avais pas encore fait, donc... juste la première fois, quoi. C'est toujours moins bon la première fois, hein, c'est normal. Oui, ça peut être pas mal aussi, à moins que c'est une version token. Garde quand même pas ça, je pense qu'il faut absolument que je rush la pioche et à la limite souffle, ça peut être bien contre token. Et si c'est un druid quête, ça peut le faire. Hein. Donc là, ça ligne pour qu'elle sorte en vrai, pas trop de pression en face, pas de taunt, etc. Non, parce que si t'as des taunts, tu peux trade justement Teddy Roy dedans pour passer. C'est pas tout à fait vrai. À mon avis, druid token, ça doit être chaud quand même. Craignez, on en a un, surtout notre catastrophique. Pas de T1, pas de T2. J'ai des hystéries, mais bon. Pas non plus refait de ne rien jouer. Here we go! Oui, token qui coûte 3 foria d'ailleurs à crafter. Hein. Ok. Ok, il a récupéré des griffes. Enfin, il faut faire. C'est quoi? C'est 2 hero power pour récupérer 3 griffes. On a une main mais dégueulasse. Ah, cette main de l'enfer. Ça peut être bien sur Ziax, mais il faut que j'arrive à le tempo. Il faut claquer qu'une pour garder les cartes de combo. Devoir pièce une hystérie là je pense hein. Devoir chater pour le trade. Voilà. Il y a toi là. Genre de choses. Tranquille, ça passe, celle-là plutôt. Celle-là ça sort bien. No. T'as pas mis cartu, c'est pas justement parce que ça coûte 6 et que ça arrive trop tard. Écoute, elle coûte 5, elle arrive pas non plus beaucoup plus tôt, hein. Elle arrive juste un tour avant. Ça dépend des match-up en fait. Le truc c'est que cartu contre un aggro, c'est vraiment insane. Genre imagine contre un face, cartu ça fait plaisir.
quand même sacrément plaisir. Ah, il a pas eu les rip-hop, c'est dur. Bon, je vais faire ça ici. Le Zilliard, j'ai envie de le garder moi avec un rituel pour avoir assez de heal. Pas grand chose à clean dans son deck si ce n'est le gros taunt du. Quel tour encore le gros truc? 7? S'il le tue pas avec le ripop et que chope une rune, ça peut être vachement débile. Hein. Aïe aïe. S'il pose son gros. Son arme, je tente le A sur 2. Ce serait ballsy. C'est pas un gros arbre ça. C'est pas un gros arbre. Je peux pas, je la griffe là. À quel moment je le fais pas, putain? À quel moment je le fais pas? Je m'en branle de jouer ça là. Moi je joue ça et Thalnos. Je veux gagner du temps. I need time. I just need more time. C'est de l'anglais. Hier j'ai plus de temps. J'ai besoin de plus de temps. Vas-y. Ouais, non, mais j'ai des bonnes bases, vous inquiétez pas. Ouais, je fais ici, je fais là-haut. Après, il va la refaire le tour d'après, donc bon, voilà quoi. C'est incroyable. Il y aura toujours lui, mais je pourrais taper dedans juste après. On va toucher aussi une autre. Hein. Non, je vais pas en jouer une. Il va me fumer ma fatigue si je garde pas les cartes, moi, combo. Hein. Ça, je dois garder, ça aussi. C'est jouable. L'ombre mort, je pense pas que je le claque dessus. Hein. Je peux en avoir un deuxième, mais ça, je peux le garder pour l'arbre, justement. Oh, en vrai il l'avait pas l'arbre. Vous pouvez donner reborn à celle qui a le double. Ça marche pas et derrière je perds une carte pour un combo. Ça marche pas, le reborn ne revient pas avec les râles d'agonie. Et forcément il l'a juste après. Après s'il le joue tout seul, bah galacon. Ça me va quand même. J'ai plus le hero power heal, mais en même temps, on est full. Ça a du sens. Je dépasse toute imagination. Succomber à ma folie. On va pas juste trade. Parce que si mon nombre mort ne sert plus à rien du reste de la game, j'ai le sum. Et que ça me permet de cover ça pour trade ensuite ce qu'il allait poser, c'est-à-dire l'aide de la forêt, pour garder un meilleur board. Donc, le mode nombre mort pouvait sembler. Oh! 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 Quoi? Hein? Comment? Attendez, on va vraiment le laver là! Non mais en fait, je vais vraiment faire rune 2 à tomber ça et je vais juste le battre à la tempo là! Non mais son tour où il a fait ça, je viens de gagner une tempo mais de malade! Attendez, parce que pour le moment, je suis mes 6 face avec sa griffe et sa colère là, son balayage. Bon, ok, y a plus la synergie avec notre truc. Je peux faire ça dessus aussi. Bon après elle est à moitié morte donc ça sert pas à grand chose.
Ouais, c'est pas ouf, anyway. Anyway, j'ai pas envie de faire ça ici. Après, je mets une 8-8, hein. Je mets une 8-8. Je fais balayage, griffe. Et je pose une 2. Ouais, en vrai, moi, ça me va. Juste que le balayage à face. Je pense pas que je fais ça. J'aurais pu repouvoir avant, mais je t'aurais de me poser la question si je faisais le rituel. Je pense pas que je le fais. Je pourrais le faire là-dessus pour récupérer la carte en plus. Le balayage peut aller sur toi. Non, c'est le board adverse, forcément. C'est adverse le balayage. Je pense pas que je dois le faire quand même. J'aurais pu repouvoir avant du coup. Mais bon, peu de chance, j'ai mieux. Alors, on va voir, j'ai battu à la tempo. Le tour du Galakron là qu'a tué un serviteur. Après l'idée du Galakron c'est vraiment secondaire. L'idée c'est juste pour activer le Forge Destin. Ok, il s'en sort pas trop mal. Les deux dégâts. J'ai oublié de taper avec elle? Non. Ah c'est. Ça a fait du scrim ça, il faut aller dormir. C'est-à-dire qu'il est temps d'aller dormir les gars. Leroy. Après on n'a pas encore utilisé Destin. 10. Bah y'a l'état là. Mass Dispel, Leroy, 8, 10, 16. Bye bye. Avec la griffe. Ah avec la griffe. Et avec ma tête, c'est vrai. Bien vu. Ok. Il y a du genre, c'est un joueur de Battleground. Exactement. Exactement. Ok. Ah! Regardez ce portrait là, vous ne le verrez pas souvent. Victoire de Galakron prêtre. C'est beau. Allez, une petite dernière. Le code, oui, je te le passe. Ouais, Zilax m'a carré de ouf. Hein. C'est pour ça que j'attendais vraiment de pouvoir lui donner la res. Mais bon, c'est l'idée, à défaut d'avoir le Cartus, c'est que le Zilax fait ce travail là quoi. Et il faut réussir à avoir le bon timing, ce qui est pas évident non plus. Contre Gul'dan. Votre âme sera à moi. Que l'une me donne sa force. Démo. Est-ce que c'est un zoo? En termes de proba, c'est quoi qu'elle peut jouer sur son replay? Je pense que c'est Zo. Qu'est-ce qui est le plus populaire? Rend les gens de rang 5, on va dire. Pas forcément le Zo, non. Pas forcément. Bon, je vais quand même garder ça au cas où. Je me fais éclater la gueule. Je lance quand même la satire parce que j'ai vraiment envie d'essayer de récupérer des T2. C'est un T2. Travail terminé. Et c'est quand même que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bonnes cartes d'early game à toucher. Avant d'avoir la satire. Là, ça tirait bien, mais. Oui, ninja. Ouais, je ferai ça. Pilou reprend, je pense pas, non. Ouais, ça va être le gars là qu'on contrôle, c'est fort probable. Si j'avais double rituel, je pourrais en claquer un ici carrément. Hein. Ça pourrait s'envisager. Voire même, si j'ai rien à faire, je peux envisager de faire la run là-dessus. Histoire de cycler rapidement le deck. Qui me permet d'aller chercher l'autre ramasseur. L'autre exhumo, 1, 2, 3, 4, et Thanos. Je pense que je vais le faire. Je pense que j'ai vraiment besoin d'avoir beaucoup de draw. Et j'ai pas besoin d'avoir double rune de la tombe.
Ça me permet de cycler rapidement le deck. Pas timing où je le fais, ouais. Cartes 7, 8, 9. Et on sait que c'est super bien. C'est quoi la win condition du deck? Tu réduis ta main en cri de guerre avec le Forgesta. Et ensuite tu fais Leroy, Rituel, Rune de la tombe et la 2-2. Et t'as plein de Leroy qui repop et ça peut te faire du 6x6, 36, voire d'autres combos possibles. C'est pas la seule combo possible. On a fait que 0, on n'a pas couru de disciple et l'autre. J'ai pas besoin de d'AOE là-dessus. Hein. On va juste faire ça pour temporairement. Main du temps. En vrai, je pourrais faire ça et mettre mon Talnos. Je pourrais. Parce que eux peuvent être vraiment bien contre des géants. L'AOE est pas ouf dans le match-up. Je pourrais suicider mon Talnos, mais il a pas spécialement de silence. Et après, ça évite d'avoir une cible à voile de mort. Il y a déjà Kakia, mais c'est la deuxième. Là, elle apporte pas grand chose en fait. Après, de toute façon, elle meurt pas vu que j'ai déjà un dragon en main. Ouais, ok. C'est juste que j'ai pas envie de lui donner ça trop facilement. Là, il meurt un peu trop facilement contre de la merde. Et là, il va commencer à poser des bodies peut-être mid-game. Eux seront mieux en fait. Je serai vos écailles. Genre ça, tu vois. C'est intéressant d'essayer de tuer ça avec celle-là. C'est déjà plus sexy. Tu penses pas que je tape avec Talnos? Ouais, dis-moi. Ouais, un peu plus tard, ouais, vers 2h30. Ouais, vas-y, tranquille. Quelle est la volonté des lunes? J'hésite. Est-ce que j'aurais dû taper? Pas tellement de raison non plus d'absolument le faire. Si la son voit à la limite, bah. Je serai vos écailles. Pourrait claquer de manière plus optique sur autre chose, hein. Retour d'Over, ouais, j'ai ramené Manati chez lui. Ah! Dommage. C'est pas fou tout ça. C'est pas fou. Si je tape là, ouais. Je pense qu'on peut faire une hystérie ici. Vraiment que je chope les disciples, les satyres ou il est full. Waouh. Jamo, tu peux aider. Waouh. Ah, il a déconné 0 hein. Je veux aussi avoir la deuxième hystérie. Ah, c'était le risque en claquant mon hystérie, c'est qu'il enchaîne sur un gros tour aussitôt, mais j'attendais pas à ce qu'il me le fasse vraiment. Un peu déçu. J'avoue que la moyenne de ces démons là, elle est... il a pas déconné. Hein. Il a visé le haut du panier. Et vu que lui est pas boosté, il... oh. C'est le danger d'hystérie aussitôt. J'avoue que j'ai pas de track à quel poids il était élevé. Si j'avais vu qu'il était à 4, j'aurais probablement pas joué comme ça. Yes. Je crois que ça va pas dans le deck. Non, parce que l'idée c'est de pas jouer avec Galakrond vraiment en fait. L'idée c'est de jouer Galakrond pour ça. Et là, le souci dans la game, c'est que ma main est morte en fait, parce que j'ai deux forges d'estac qui sont pas activables. J'ai Galakrond qui est pas activé parce que j'ai pas eu de conjurer. Et dans tout cas, j'ai pas envie de les activer non plus vu que j'ai que des cartes de combo là. Et ça. Et pourtant, j'ai forcé la pioche avec. Avec une fois la rune. Là, ça bloque. Après, il reste 14 cartes.
Je sais plus que lui. Ok, la deuxième mystérie. Il a des chances de tout clean. Ok. J'y crois, elle va bien tout clean là. À droite. Nice. Ah bah non, mais non, pas nice, pas du tout. Non, pas nice du tout. Non, ce n'est pas nice ça. Non, il fallait taper à gauche et puis là, oh, venez dedans. Non, bah, zéro nice. Non, ce n'était pas nice. Il y a 14, c'est la merde. Vous balancez 1-2 avant. Je me suis posé la question, mais en même temps, elle pouvait m'aider sur le board pour trade après. Hein. Mais je me suis posé la question de balancer 1-2 aussi avant. Mais potentiellement, elle peut aussi trade les deux. Oh, ça m'a foutu le somme, tu vois. Pas nice du tout. Non. Putain, j'ai dit nice, quel enculé. C'est pas nice. Allez, un petit feu de lame et c'est terminé. D'où... Non. MBM, là. Ah, MBM. Ok. Ah. Après, c'est un deck combo, quoi. Tu joues de la pioche, de la gestion et ta combo. Et là, on avait... J'ai claqué la première hystérie trop tôt aussi. J'aurais dû faire gaffe. Le fait qu'il soit à 4, je devais me méfier du Galakrond là-dessus. C'est ma faute, je pense que je vais pas claquer cette hystérie à ce moment là. Elle était bien dans l'idée, sauf en ayant cette info là. J'avoue que j'ai pas été focus là dessus. Manque de concentration. Mais non, le deck est cool, le deck de Zetalot ici. C'est sympa, ça change, c'est viable. Il est monté genre d'avec. Hein. Il est monté genre d'avec, donc... Enfin, impossible, après c'est pas le meilleur deck pour monter genre, ça paraît évident. Mais si vous avez les cartes, faites-vous plaisir. Après il y a moyen de faire des changements, rentrer une deuxième play, ça dépend un peu du matchup, rentrer avec Arthur pour être plus safe. Surtout pour monter genre, je pense que tu mets Cartu à la place d'un infiltrateur, ça me paraît un peu plus safe.